puissante. On les entend, on les sent passer. Exact. Ils peuvent même un petit peu effrayer, mais bon, ce sont des gentilles personnes. En tout cas, je tiens vraiment encore là, encore une fois, à saluer le public bastérien qui honnêtement répond présent, se lève, applaudit tout seul, chante, crie. Honnêtement, vous êtes chaud aujourd'hui, ça me fait plaisir. Donc si vous êtes chez vous, n'hésitez pas à descendre. Venez nous rejoindre ici même au Champ d'Arbo. Vous avez tout le temps de nous rejoindre parce que c'est jusqu'à ce soir très tard qu'on fera la fête. Vous avez le temps, même si vous habitez du côté de Pointe-à-Pitre, descendez à Bastère, ça vaut le coup. C'est vraiment, c'est chatoyant, c'est chaleureux, c'est génial, j'adore la Bastère. Et là, juste derrière nous, entre sur le tapis rouge, Mass Moule Massif. C'est le cinquième groupe là déjà. On vous rappelle qu'on est là au moins jusqu'à minuit. On a plus de 60 groupes à vous présenter. Mass Moule Massif arrive. On sait là aussi qu'il y aura une grosse ambiance. Quand Mass Moule Massif est sur le tapis rouge, franchement, c'est le feu. C'est une ambiance de grande terre. Exact. En tout cas, ils sont là. Ils sont chauds. Ils arrivent calmement. Apparemment, c'est le calme avant la tempête. Donc, ils arrivent tranquillement. Encore une fois, on vous rappelle que vous êtes sur ETV et que vous êtes en live, en HD, c'est la chaîne 23, canal satellite, alors n'hésitez pas, vous regardez le carnaval vraiment comme si vous étiez dans les gradins. Que vous soyez en Guadeloupe, que vous soyez dans un autre pays étranger, aux quatre coins de la planète, vous pouvez suivre le carnaval de Bastère. C'est le dernier jour, l'avant-dernier jour avant le mercredi décembre, donc encore une fois, profitez au maximum du carnaval, il était très court cette année, juste derrière nous, voici Mass Moule Massif, qu'on ne présente plus. On vous rappelle encore une fois, pas de fouet sous le tapis, pas respect, et pour saluer bien entendu le public. Ils arrivent, est-ce qu'on les laisse rentrer tranquillement? Est-ce qu'on vous laisse profiter? Bien sûr. On se retrouve après? Pas de raison. A tout de suite. Alors aujourd'hui, on va Une balle, vite. C'est Mass Moule Massif. Quand on entend Mass Moule Massif, qu'est-ce qu'on entend? Chaud même, nous sommes bien malades. Est-ce qu'il y a les médias publics là? Bien malade, Adieu. Bien malade, elles entendent bien malade. A tout de suite. Hop là. Ça va pas ou pas? Alors, un maillot jaune là, c'est masse en étoile. D'où l'originalité du tissu, comme vous voyez, et bien là, ma masse en étoile, tout va donner. Et comment ça va? Mon Dieu! Ah, Seigneur! Alors là, ils sont très 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 nombreux. Ah oui. C'est assez impressionnant à voir. Sur son canne, hein. Exactement. C'est-à-dire que la première partie du groupe est déjà arrivée sur le tapis rouge, mais la musique, pour les gens qui connaissent un petit peu Bastère, est un petit peu plus haut que le cinéma d'Arbo. Ouais, c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, ah, ça vient, ça y est, ça chauffe. Là, je sens que ça va déménager. Honnêtement, augmentez le volume de votre téléviseur, parce que là, on va passer dans une autre dimension. Mass Moule Massif, c'est parti. C'est intergénérationnel, hein. Il y a de tout. Get it out!
Le directeur est là, il reste encore au-dessus de nous. 2 minutes 30, attention, vous nous présentez votre thème. Masse à étoiles. Attention, ouvrez bien grand les yeux, mesdames et messieurs. Nous sommes versés la marée, toujours la visite par nous. Débuté original. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. C'est quoi le thème aujourd'hui? Matrix, vous êtes dans les étoiles? Oui. Ah, regardez l'émission là. Comment on va connaître vous? Ok. Vous êtes dans les étoiles. Tu connais? Tu connais aussi? Oui. Moi je connais Masmoul aussi. Oui. Et j'aime bien le thème. Oui. C'est quoi le thème? Les étoiles. Ok, joli, on vous laisse profiter en tout cas. Merci les gars. Ambiance. Massif. Inutile de rappeler l'origine de ce groupe, c'est évidemment le Moule. Et d'après mes sources, Dis-nous les tout. Petites sources de public, ils sont plus de 800. Big up
Ils sont plus de 800 membres de ce groupe. C'est la raison pour laquelle ça a été plus long et que la musique a tardé à venir. Exactement, et on salue vraiment ce mélange de générations. Il y a les plus jeunes, les plus anciens, la transmission, c'est ça aussi le carnaval. Et de la discipline, c'est bien ça. Exactement, on vous rappelle juste que Mass, Moule Massif a été 3e Mass lors de la parade de Goyave le dimanche 12 février. Comme quoi, là encore, ils ont une belle, un beau palmarès, pardon, pendant que je regarde, parce qu'il y a la ville de Saint-Cloud qui arrive. Forcément, c'est ma ville. Et c'est important. Et oui, on salue Saint-Cloud, on salue Gourbert, on salue toute la Bastère, on salue tous les Pointois qui sont venus nous rejoindre aujourd'hui pour participer à ce merveilleux carnaval. On salue toutes les communes, toutes ces communes qui sont descendues à Bastère avec leur groupe. Et on va recevoir la princesse du carnaval. Voilà, juste pour terminer avec Mass Moule Massif, on rappelle juste qu'ils ont terminé premier groupe à Mass lors du CAPES Carnaval. Allez, maintenant place aux abeilles. Exactement, et passez à la ville de Saint-Claude. Sauvez les abeilles, c'est parti. Voilà, fais un petit tour devant le jury comme ça. Elle est toute mignonne dans ses affaires. Alors, paraît-il qu'elle a un message annoncé. Mesdames et messieurs, je vous demande toute votre attention, s'il vous plaît. Elle a un petit message. Bonjour à tous. Alors oui, nous sommes en direct aujourd'hui sur la Bizet. D'accord. Donc pourquoi tu nous que Bastet, c'est un des plus belles carnavals. Oui, d'accord, ça. D'accord. Dis le mot masque, un mot. Euphorique. Malade. Maman masse. Maman masse. Fou. Après vous. Fou. Fou. Merci, M. Damas, je vous remercie. On a besoin de vous, s'il vous plaît, merci beaucoup. Allez, vous allez tout le monde. Et taillons, on a tout le monde. Bonne continuation dans les rues de Bastet, référence à mon arbre de sort. Et oui, ça s'enchaîne, très rapidement, juste après le petit message de la petite princesse. Encore une fois, un mélange de traditions, là nous avons le groupe Excellence. Et rappelons que sans abeilles, il n'y a pas d'humain. Exactement, là encore je vois le général, le char d'Excellence qui est en train d'arriver sur le tapis rouge. Là encore, c'est magnifique, on vous invite. Chatoyant, pardon. Exactement. Chatoyant. Très belle couleur. Exactement. On dirait un pan. Tout à fait. Elle a raison. C'est qu'elle a raison, notre Miss 2020 TV. On vous laisse profiter de leur entrée sur le tapis rouge. On se retrouve juste après. Et ils arrivent avec un immense décor. C'est ça, mes amis, doivent laver la même maillot, non ? Voilà. Thank you.
train de rompre. Je pense qu'il est important de préciser, de porter quelques petites précisions quant à leur thème. L'explication donc du thème. Bonheur, nature, volupté et explosion de joie. Excellence vous présente la volière véridique. Quelle beauté que ce colibri éclatant de vie et d'arc-en-ciel. Soulignons la cagoule, symbolisant la crête de ce bel oiseau débordant de couleurs. L'orange pour l'énergie et la détresse. Le jaune comme un soleil source de lumière et de vie. Le vert, mère nature génératrice, tu viens des lendemains heureux. La violette, la volière féerique. De par ce thème, excellence vous souhaite vous procurer un intense bien-être et vous communiquer son enthousiasme, conduisant à une envolée d'exaltation, de sourire et d'excellence. Vive excellence, vive la volière féerique. Alors que les groupes s'enchaînent, juste le temps de vous rappeler qu'ils ont eu le prix du public Valbox au CAPES Carnival. Ils ont également obtenu le troisième prix de Pont de Caisse-Claire à Anse. Comme
comme quoi ils ont l'habitude des bonnes ambiances. Je vous rappelle que vous êtes à la parade, la grande parade du grand winner du Mardi Gras à Basse-Terre même. C'est du live, c'est du direct. Vous êtes sur ETV Guadeloupe. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'euphorie. On salue encore une fois tous nos partenaires. Et bien sûr, le prochain groupe qui rentre. On ne m'entendait pas. On ne m'entendait pas. Alors je rappelle qu'Excellence, qu'Excellence était troisième prix du groupe de Caisse Claire à Anse Bertrand. Et vous avez apprécié ces cuivres aussi. C'est quelque chose de très présent. C'était la vraiment le thème. Oui, la musicalité. Et l'euphorie, le thème de l'euphorie est vraiment respecté aujourd'hui. Je voulais rappeler, de remercier nos partenaires, à savoir Blandin, à savoir Vega Assurance, qui était à Jarry, mais qui a aussi ouvert à Sainte-Rose. On remercie également Sixte, on remercie Blandin, je l'ai dit, les Cafés Cholette et Nina des Îles, sans oublier Pachevanchard Voyage, voilà. Alors que le prochain groupe fait déjà son entrée sur le tapis rouge, il s'agit de Vent Levé, l'euphorie avant la devant la beauté de la nature. Et oui, comme quoi, les thèmes ont vraiment été respectés. Vent Levé arrive encore une fois avec un char magnifique. On salue, je sais, vous en aurez marre, mais pas moi. Je salue encore une fois le travail de tous les carnavaliers et bien sûr de tous les artisans, tous ceux qui ne dorment pas pendant au moins plus de 4 à 6 mois. Franchement, félicitations, merci. N'hésitez pas encore sur les réseaux sociaux à dire quel est votre groupe préféré. Envoyez-leur un petit message d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Et si vous pouvez venir à Basse-Terre, venez. Exactement. On les laisse rentrer tranquillement sur le tapis. On les laisse rentrer avec ce thème du respect de l'environnement qui revient toujours. A tout de suite. En musique, là, on les voit arriver. Ils sont nombreux également, hein ? Tout à fait. Encore une fois, on rappelle le thème général qui est l'euphorie. On vous laisse profiter du char aussi un petit peu. On voit qu'il y a du travail. Il y a même quelqu'un à l'intérieur, apparemment. C'est la surprise. C'est la surprise. Quelqu'un va en sortir. Contrairement au groupe d'hier où le joyau était visible, là, cette petite grotte nous réserve bien des surprises. On vous rappelle que les groupes Toom Black, on vous rappelle bien sûr que les groupes Toom Black, Combo, Séquence Star et Pikanga, ainsi que Restant là, Reality Bimas, Masmoul Massif, Excellence, Vent Levé, Prestige Tal, Karukera Star sont déjà passés. Et oui, comme quoi ça avance petit à petit pour l'avant-dernier jour de ce carnaval. Ça va vite, hein, ça va vite, on n'a pas le temps de cligner des yeux qu'il y a déjà un autre groupe qui passe. Exactement, donc vraiment on salue là encore le travail de la Fédé qui fait un gros travail pour que ça soit lisse, que ça coule tout seul et on aime ça. Ça paraît facile, ça paraît tellement aisé, ça paraît fluide, mais dites-vous bien que derrière tout ça, il y a des mois et des mois de travail pour les costumes, pour les chorégraphies et pour les chants. Ça se respecte. On vous laisse profiter de la musique et on revient dans quelques instants. On s'appelle pas sur ETV. Je vais venir avec vous, je vais vous donner quelques petites explications.
félicitations quand tu as tout seulement de voir le décor et tenu. Elle a le sourire, elle reprend son souffle. Et c'est parti. On est très attentifs. Bonsoir messieurs et dames. Je m'appelle Mia Tiocéal et je suis heureuse d'être ici, mais vraiment très très heureuse d'être ici à Bastia avec Vendée de Superstar pour vous présenter le thème qui s'intitule Euphorie devant la beauté de la nature. La modernité nous éloigne de la nature. La crise écologique est liée à la crise esthétique. Rendue insensible à la beauté de la nature, l'humanité se sent autorisée à la saccager. Aristote a dit, la beauté est un voile de la nature a mis sur le monde pour nous rendre tolérables. Écoutez très très bien cette phrase. Je vais la répéter. La beauté est un voile de la nature a mis sur le monde pour nous rendre tolérables. Nos ancêtres vénéraient les arbres, les animaux. Ils vivaient pour la plupart en harmonie avec la nature. Dans les messieurs d'un star, souhaite aujourd'hui et toujours que l'être humain porte à nouveau un regard émerveillé sur les paysages, la faune et la flore qui l'entourent. Notre décor, une montagne d'où s'écoule une rivière, au-dessus du soleil, nos danseuses qui représentent des fleurs, nos musiciens qui représentent quelques diversités de couleurs qu'on retrouve dans la nature. Aujourd'hui, avec la déesse de l'eau, Tétis, vient nous ramener à cet émerveillement. Notre nature est belle, elle est très 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 belle. Je vous le dis avec le cœur. Je fais ce discours, j'ai envie de pleurer. Je vous dis, la nature elle est belle. Elle est belle. La nature c'est vous, c'est nous, c'est ce qui nous entoure, c'est ce décor. Protégeons la nature, valorisons-la. Répétez cette phrase avec moi. J'aimerais que vous la dites avec moi. Protégeons la nature et valorisons-la. On l'a fait ensemble. 3, protégeons 2, la nature. 1, 0. Protégeons la nature et valorisons-la. Vendée Superstar. Merci Vendée Superstar de cette voix. Vous avez pu constater que cette jeune fille était remplie d'émotion en lisant ce texte. Ils n'ont pas enlevé ce soir. Davine, en belle façon, notre fille a guidé des stations de version pour vous. Et attention, après tout parler, là, ça fait le moment qu'on est venu respecter Nadia Mounadio. Je pense qu'on a tous conversation pour Jonas Seyel. Mais attention, maintenant, il faudra nous montrer pendant 2 minutes 30 qu'elle sera libre de faire ici dans Abasser pour ce Rider édition 2020. 5, 4, 3.
aimé passer à travers votre thème choisi. Est-ce qu'on peut redoubler l'applaudissement pour eux, s'il vous plaît? Et merci d'avoir fait l'invitation pour cette belle parade ici, mardi gras à Bastia 2020. Ça continue de plus belle parce que forcément on a présentement vu là aussi. Et parti!